Oh my God!
Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour Septime qui nous a quittés. Qu'il trouve auprès de toi le salut et la paix avec ceux et celles que tu appelles à entrer dans ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Septime, tu as été baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Entre dans l'église, la tente de la rencontre. Déjà qui sont déjà assis, le truc que je vais vous demander, c'est n'hésitez pas à remplir sur les côtés, s'il vous plaît, il reste encore de la place. Ne venez pas dans l'entrée principale, ça ne servira à rien. Je vous remercie. De la victoire de la vie sur la mort,
de la lumière sur les ténèbres. Pour signifier cela, nous allons prendre de la lumière du Vierge Pascal pour entourer cette hymne. Une manière de dire qu'il est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Yeah.
Seigneur Dieu, tu as fixé une limite à la vie présente pour nous ouvrir l'accès à l'éternité. Nous t'en prions humblement. Permets que, par la grâce de ta compassion, le nom de ton serviteur Septime soit inscrit au livre de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Livre de l'Ecclésiaste. Parole de Coélète, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, disait Coélète. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus gravit la montagne. Il s'assit
Et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la négresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'abbé Chaleureux qui devait prononcer l'homélie pour cette messe, mais il est encore en route. Et comme les pompes funèbres doivent respecter les contraintes temporaires, donc on a commencé la messe sans lui. Et je lui permets de prendre la parole et espérant qu'il arrive avant la fin de la messe pour nous dire, voilà, pour faire l'homélie à ce village. L'évangile que nous venons d'écouter, c'est le même évangile que demain, donc le 1er novembre, la fête des saints. Et la sainteté aujourd'hui est vue de plusieurs manières. C'est vu comme une exigence et on peut se demander si la sainteté est encore possible de nos temps. Et si on peut encore parler de sainteté pour nous, est-ce que la sainteté n'est pas quelque chose du passé? Et on peut dire combien, comment aujourd'hui faire pour devenir saint. La sainteté est d'abord et avant tout l'identité de Dieu, puisque Dieu est saint. Et cette identité, Dieu veut nous la partager aussi. Cet attribut, il veut nous la partager et il veut que nous soyons tous saints. Et cette sainteté, nous l'avons déjà dès la création, parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et donc, cette image, cette ressemblance, donc il nous donne tout le visage et même la sainteté. Et Jésus le dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et sur notre chemin aujourd'hui, donc sur notre vie, nous sommes appelés à la sainteté. Et tout ce que nous bâtissons, tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, doivent être comme des grains semés sur le chemin, sur le jardin de la sainteté, pour laisser fleurir, pour laisser jaillir, pour laisser croître ce royaume de Dieu déjà qui est présent dans notre monde. Aujourd'hui, cet évangile est appelé évangile de béatitude, c'est-à-dire du bonheur soyez heureux, parce que à première fois, Jésus revient heureux. Mais quand on regarde ce mot heureux, on peut dire qu'il est en contradiction avec ce qui vient. Comment peut-on être heureux quand on pleure? Comment peut-on être heureux quand on a faim? Comment peut-on être heureux quand on souffre, quand on est malade? Comment peut-on être heureux quand on est rejeté? Et aujourd'hui, est-ce que cet appel au bonheur est encore recevable pour ceux qui sont blessés dans leur être, dans leur cœur, pour ceux qui ont vu disparaître un être cher, un être aimé? Comment la parole de Dieu peut encore se faire entendre, peut encore être entendue dans des cœurs meurtris? Oui, frères et sœurs, ce moment est difficile et est grave, le moment de la mort, le moment du deuil. Mais c'est un moment aussi qui nous invite à réfléchir sur le sens de la vie. Puisqu'à l'Église, nous ne venons pas célébrer le deuil, nous ne venons pas célébrer la mort, mais nous célébrons la vie. Et cette vie qui est plongée dans la vie même du Christ, dans la mort et la résurrection du Christ. Et dès notre baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ,
et notre vie devient une promesse éternelle. Et en venant célébrer les funérailles aujourd'hui, en célébrant la mort et la résurrection de Christ, comme il a été plongé dans cette mort, cette même mort et cette même résurrection, le jour de son baptême. Voilà pourquoi, pour les funérailles, même si on n'a pas d'honneur, on ne se cache pas, on a tous les signes du baptême. On commence par la lumière, mais il y aura aussi des signes de l'eau, puisque par l'eau nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Christ. Comment dire heureux, comment entendre cette parole du bonheur quand on est éploré, quand on a l'impression que tout s'écroule devant soi, quand on a perdu un oncle, quand on a perdu un ami, un frère, un conjoint, un père, un frère. Alors, aujourd'hui, c'est dans le creux de cette blessure que l'appel au bonheur réponse, que le Christ nous invite à nous relever. Et pour cela, nous sommes appelés à tourner notre regard, et peut-être pas seulement le tourner, mais à changer notre regard sur ce que nous traversons aujourd'hui, cette épreuve, pour que le Seigneur lui-même le transfigure. Et puisque, et aussi, donc, les mots que nous pouvons dire ici sont incomplets et imparfaits. Voilà pourquoi j'implore l'Esprit Saint, pour qu'il aide lui-même, même ce pauvre de tendresse dans votre cœur, pour vous apaiser. Pour que la prière des uns et des autres ici aussi soit un vrai réconfort pour nos frères et sœurs dans le deuil. Mais aussi pour que nous-mêmes aussi, nous sachions que nous sommes encore en marche et que même si on a l'impression que tout s'arrête avec la mort, nous sachions semer la vie autour de nous, puisque le Christ est venu nous donner cette vie-là. Et donc, essayons, frères et sœurs, dans cette vie qui passe, mais qui a un sens dans les yeux de Dieu parce qu'il nous appelle à la vie en plénitude, essayons de semer l'amour, de semer la joie, de semer la réconciliation autour de nous, parce que notre vie est trop courte pour vivre déchirée, pour refuser la réconciliation, pour refuser de vivre l'amour et de célébrer la paix. Il y a parmi nous peut-être aussi des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas, mais il risque d'être trop tard. Demandons au Seigneur de réconcilier notre cœur, de nous aider à nous réconcilier et à vivre en paix. Prions les uns pour les autres pour que le Seigneur lui-même vienne nous aider à traverser ce moment difficile. Amen. Amen. Sabedad, namuyaya,
Seigneur, nous te confions le monde que M. Septil souhaitait rendre meilleur. Il voulait que les hommes apprennent à s'aimer les uns les autres pour que la paix. Mais la paix que Jésus a promise au cœur de chaque homme. Et de ceux qui l'aimaient, pour les peines et les souffrances qu'ils savaient porter, nous te remercions, Seigneur. Mais nous te remercions de nous l'avoir donné, cet homme qui nous était si proche, si cher, à présent nous est ravi. Nous te remercions pour l'amour et l'amitié qui émanent de lui. Thank you.
ensemble au moment de prier le sacrifice de Jésus. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois bon et ton serviteur, c'est qui, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour lui, dans le jour de ses miracles, nous t'offrons le sacrifice qui est consigné avec toi. Si la tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse du même l'a souillé, que la tendresse lui pardonne et le bénisse. Par le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Nous le voulons vers le Seigneur. On embrasse au Seigneur notre Dieu. Seigneur Père et Père Saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ de notre Seigneur. C'est en lui qu'a répondu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse, que si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque vont faire leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les apôtres, avec la puissance et les esprits bienheureux, nous chantons en hymne ta gloire et sans fin nous proclamons.
qu'il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, dans l'Église répandue à travers le monde, et la bonté dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, Septime, qui nous quitte aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, et puis en particulier pour tous les défunts de notre famille, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et
et avec votre esprit. Frères, sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur, cette hymne, qui vient de quitter ce monde. Fais-le purifier par ce sacrifice et dégager de ses fautes, il goûte les joies éternelles de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, tout le monde de Dieu, et si le Seigneur m'a fait arriver en retard à cause des bouchons et la voiture ne prenait pas au départ, il a voulu que j'arrive à ce moment de l'absoute pour que toute l'attention ne soit pas tournée vers moi pendant toute la messe, mais plutôt vers celui pour qui nous venons prier. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à cette hymne. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec cette hymne, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Chant. Oui, là.
Je vais inviter le confrère prêtre pour le geste d'aspersion. Comme nous sommes en retard, c'est les prêtres vont faire le signe de l'aspersion. Thank you.
Attention à vous, madame, elle est perdue derrière vous. La puissance de ma main. Excusez-nous, madame, s'il vous plaît. Vraiment, pour pas. C'est bon.
Bonjour madame. Madame Louya, vous allez bien? Il est où votre mari? Ah d'accord. Bonjour monsieur Louya. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour mon frère Vidjoulou. Vous allez bien? Ça va. Okay. Bonjour, 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 comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Ok. Bon. Là, c'est un petit parti. C'est la vie, hein. Là, attention, 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 attention. Ouais, ouais. Okay. Attention, attention. À tout à l'heure, hein. À tout à l'heure. Merci.
Sansa et à novembre. Sansa y a un souvenir nosso Oyangai y a ma bé. Kosambela y a ngonde bomoi. Music.
basi mokili ebeteli yo maboko Chalo sambo yenga nyoso akosambela yepe mo Kristo masumu esilate Atiki biso na mawa Polo eh, polo, polo, polo eh Polo, polo, kamba, polo eh Mikona, mikona eh Boutou na moyo Paninga babanda, polo, polo eh Nzambe mokondio sango ya polo eye oh ni e polo e ayo polo polo e ayo ni polo e polo kamba e ayo ni polo e polo kamba e ayo ni polo e polo kamba e ayo polo polo e ayo 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 polo kamba e ayo 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 polo kamba e Baninga batu na polo e polo polo e Ngana le kananzela bati angami sapie dala papa wendo ayemba ki moninga na ye polo e ye polo yeli wa mawade ye ye na le kie Baninga boyamba sango ya polo kamba o polo e Ayo, ayo polo kamba e Ayo, polo polo e polo Ayo, ayo ayo polo e Ayo, oh polo e polo e Ayo, ayo ayo polo Ayo, na lekiye Ayo, oh na tangweye Ayo, ayo ayo na tangwe Ayo, ayo ayo na lekiye Ayo. Le grand producteur d'un Canada. Allez, c'est... Rigobert, Jackie Mouena, Nabijan. Mikona, Mikola, Koutouna, Moye, Tonga, Kotana, Eye. Na luka na nyeye Na tuna polo kamba ye Mikona mikona ngana lekiye Na tangwe Liwe kopona mutu teo
malélié. Liwa kopo na mutute wo 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 na lélié. Bakola miziki bakola yo polo, familia polo, bandeko ya polo, baninga ya polo, badi ya polo, boyo kasango ya polo eke. Ha, mokili eh? Ayo. Ah, ok, je peux même dire.
La présidente. Ah, ça c'est bien, c'est la présidente. Ça c'est bien. Vous voulez être les meilleurs? Soyez les meilleurs. Parmi les meilleurs, faites l'image. J'y suis. Au top. Niveau. Bon, allez, rentrez bien. Au revoir. Reposez-vous bien surtout. Ah oui. Oh ma maman d'amour. Oh la mamie d'Alex. Ah oui. Maman. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui me se tint avec les anges en adorant. Je dois partir dans cette contrée.